La campagne électorale pour le compte du duo candidat Talon-Talata n'épaille aucune commune du département de l'Ouémé. Ce dimanche 28 mars 2021, le rapporteur départemental du Parti Union Progressiste, Augustin Awanvoebla, a donné le coup d'envoi dans la commune d'Akpromisérété. Au-delà de campagne, ce jour, il y a eu une formation. La formation était assez sur le comportement militant, sur la discussion militante, sur comment convaincre d'autres pour la cause du duo Talata-Talon. C'était une formation. C'est aussi l'envoi du comité de communauté de campagne, les groupes de campagne des arrondissements, les groupes de campagne des villages, des quartiers de ville, la Ligue des femmes, des artisans, la Genèse en mission pour expliquer aux indécis, à ceux qui ne croient pas encore à la réalité, que depuis 2016, notre pays a pris un nouveau tournant. Les militants, militantes et sympathisants du Parti Union Progressiste, venus des villages et arrondissements d'Akpromisérété, sont invités non seulement à être des ambassadeurs de paix en cette période sensible, mais aussi à sortir massivement pour accomplir leur devoir citoyen en faveur du duo candidat Talon-Talata. Il faudrait que, pour la première fois dans l'histoire du Bénin, au niveau de chaque une, le jour des votes, qu'on entend au Bénin que au niveau de tous les quartiers de Misérété, au niveau de tous les centres de vote de Misérété, que les unes sont pleines, eux ont été changés. C'est plein, on dépose, on prend encore une nouvelle. C'est plein, on dépose, on prend encore une nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la commune d'Akpromisérété, nous avons déjà fait notre chaos. Le président Paddy Talon, dans les communes d'Akpromisérété, d'Adjara et d'Avrancou, c'est chez ses beaux-parents. Donc quand votre chien arrive à la maison, vous devez le recevoir avec déférence et travailler avec lui, parce que nous avons senti qu'il est en train d'opérer un développement intégral dans ces trois communes-là. Comme il nous traite, nous devons en retour le traiter de la même manière et le rehausser pour qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée depuis 2016. Cette forte mobilisation des progressistes de la commune d'Akpromisérété donne déjà les empreintes du chaos au duo candidat Talon-Talata au soir du scrutin présidentiel.